Contact. Ce week-end, c'était la troisième édition du festival Picardie Move, festival de musique actuelle. Contact s'est rendu sur place samedi soir. L'occasion pour nous de découvrir le nouveau Zénith d'Amiens, mais surtout de profiter d'une soirée 100% électro. Au programme, les plus grands DJ, Digitalisme, Parawan, DJ Fist et surtout les Birdie Nam Nam qui ont mis le feu aux platines. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Birdie Nam Nam, ils sont 4 DJ français qui plus est et ils sont surtout champions du monde de la discipline. Côté univers musical, prenez du hip-hop, du trip pop, du groove, ajoutez-y du jazz, mélangez le tout avec du rock et vous obtenez le must de l'électro. Mais ce week-end, il y avait aussi du local avec Vadim Vernet. Le Picard est encore tout jeune dans le milieu électro puisqu'il a sorti son premier projet en 2002. En 2007, il a sorti Mio's Otis et samedi, il a chauffé la salle avec son hip-hop jungle. On a eu l'occasion de le rencontrer en coulisses. On lui a donc demandé si pour lui cette soirée était une sorte de tremplin. C'est un tremplin quand il peut y avoir une rencontre avec les gars de Birdie Nam Nam ou de Digitalisme. Donc ça dépend vachement du lieu en fait. Il y a des lieux où tu manges tous ensemble, tu es dans les mêmes loges, tu partages les mêmes boutanches, donc voilà, ça crée des liens. Là, le lieu est un petit peu informel pour qu'il y ait vraiment la rencontre. Mais bon, on sait que si un de ces quatre on se recroise, on pourra se dire ah bah on s'est déjà croisé. Donc ouais, ça crée toujours des pistes et des rencontres possibles. Et Picardie Move, ça continue jusqu'à samedi au Zénith d'Amiens, au programme des prochaines soirées du local et de l'international, avec notamment les Bébés Brunes, du reggae, du rap et du rock. Bref, plus d'infos sur le www.picardiemove.com. Contact.